Bienvenue sur ordimaire.com. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à passer du compte Microsoft à un compte local. Donc pour cela, je vais dans les paramètres et je vais activer l'onglet compte. Dans vos informations, à gauche là, je trouve que je suis bien actuellement sur un compte Microsoft, comme l'indique l'adresse du compte Microsoft ci-dessous. Et pour passer à un compte local, j'ai la commande ici, se connecter plutôt avec un compte local. Donc j'active cette commande et je vais avoir préalablement à saisir le mot de passe de mon compte Microsoft. Une fois que j'ai saisi ce mot de passe, je fais suivant. Et je dois passer au compte local. Je peux nommer ce qui apparaîtra sous le nom d'utilisateur, par exemple Joël Local, et je peux saisir un mot de passe. C'est-à-dire que lorsque je démarrerai mon ordinateur, je devrais saisir un mot de passe. Je peux très bien faire le choix de ne pas mettre de mot de passe. Dans ce cas, je ne saisis rien dans la fenêtre mot de passe, et bien sûr, je ne remplis pas les autres fenêtres. Et je fais suivant. J'ai rempli toutes les conditions pour basculer sur un compte local. Je n'ai plus qu'à cliquer sur se déconnecter et terminer. Et mon ordinateur passera d'un compte Microsoft à un compte local. Je clique sur la commande se déconnecter, terminer. Et comme je le vois, j'ai la préparation du compte local. La déconnexion du compte Microsoft se fait. Ensuite, j'arrive sur l'écran de démarrage. Un clic sur une touche et je suis sur l'écran d'accueil. Un clic sur le bouton « Se connecter » et mon ordinateur se connecte sur le compte utilisateur local. Mon ordinateur est maintenant allumé en compte utilisateur local, comme je peux le vérifier ici, sur l'icône de l'utilisateur, qui montre que c'est bien le compte Joël Local qui est activé. Je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel et nous allons voir prochainement comment créer un compte Microsoft.